بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. Bonjour. On va revoir ce verset-là coranique. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, on a une idée. Mais dans le Coran, tout est bien précisé. Donc, la relation qui est antérieure à cette séduction du prince du mal, qu'il soit toujours maudit, la relation entre nos deux parents a été d'une nature qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, il y a la concorde, il y a la bonne cohabitation, il y a une entente, mais vu ce que, c'est-à-dire cet acte criminel, ce sacrilège-là, sacrilège commis par Satan, nos deux parents ont été vraiment délocalisés de cet état antérieur, si on peut dire ça, et leurs parties intimes ont été exposées, et ils ont eu peur et ils ont eu de la gêne. Ils ont cherché des subterfuges, des ruses pour arrêter ça. Pourquoi nous, maintenant, on n'a pas ce sentiment-là de gêne? Pourquoi il y a le naturalisme? Pourquoi il y a toutes les exhibitions de toutes sortes? Et elles avancent d'une vitesse incroyable. Pourquoi est-ce que cet état-là va nous donner quelque chose de vraie santé mentale, de vraie concorde sociale? Est-ce que vous ne trouvez pas que l'excès dans le domaine de l'exhibition, ça dénote une grande pathologie qu'il faut bien comprendre et chercher à limiter le nombre de cette pathologie-là, cas qui sont vraiment cause de plusieurs maux, M-A-U-X. Dieu, il nous dit, Ibn Adam, la yaftinanna, comme ça dit, il nous met en garde. Vous voyez que Dieu, il nous veut du bien. Parce qu'il nous rapporte quelque chose qu'on ne connaît pas. Et une fois cette chose-là a été révélée de par Dieu, on doit être logique, on doit être, comment dirais-je, raisonnable. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. C'est-à-dire, il nous rappelle comment nos deux parents ont été expulsés de l'Éden. ينزع عنهما لباسهما. C'est-à-dire, une manière de se couvrir pour ne pas faire apparaître le côté négatif de notre structure. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما. Donc cette exposition de nos parties intimes n'a pas un effet bénéfique sur nos deux parents. Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vrai, les gens qui n'ont plus de gêne dans la relation sexuelle sont des gens anormaux, qui sont des cas pathologiques. Bien qu'ils soient une majorité, mais ça ne veut rien dire. La normalité, c'est ce que Dieu veut. Et tout ce qui compte, c'est l'anormalité. Anormalité.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. C'est-à-dire, sur cet homme-là, je suis désespéré par rapport à la bénédiction divine, au pardon divin. Donc, il est pessimiste à 100%. Il n'a pas confiance en Dieu. C'est très grave. Cet homme-là, avec toute son armée et sa progéniture, tous ils nous voient, bien qu'ils soient invisibles pour nous, mais ils nous observent comme il faut, ils savent comment nous induire en erreur, comment nous séduire pour vraiment nous faire disparaître toute chance d'amélioration. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. Voyez, nous ne sommes pas dans un état d'équivalence ou d'équilibre entre l'humain et le shaitan et le démoniaque. ليريهما سوءاتهما إن سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Et on a vu le reste de ce verset-là. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين يؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.